que tu vas près de Marie ou pas? C'est toi qui m'as dit. Je la laisse commencer. On a fait une mise en scène, on a travaillé tout l'après-midi. Voilà. Je dois me lever et aller jusque là-bas. Tu m'as dit, j'aimerais bien être près d'elle, donc. C'est ça la surprise. Je trouve ça très gentil de ta part. C'est affectueux, quand même. Allez, vas-y. On y va. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Marie Reynaud. Alors, Marie Reynaud, c'est beau, hein? Elle est magnifique. Merci pour elle, merci pour elle nous. Elle est magnifique, hein. Magnifique. Il faut aller voir, je parlais de Romy, parce que Marie, elle chante avec beaucoup d'émotion, son émotion à elle. Mais Romy, n'ayant jamais chanté, puis c'était l'époque où on ne faisait pas 36 prises, comme on dit, elle était, il y avait les paroles manuscrites, parce que comme toi, j'ai écrit à la main, sur le pupitre, dans un petit studio. Moi, j'étais de l'autre côté du pupitre. Elle était filmée devant. Et puis, elle avait ses paroles. Et je me rappelle, elle me regardait comme ça, comme une enfant, justement. Et je lui faisais le... Je ne veux pas dire le leaping, puisqu'on est avec l'Académie française. Il faut parler en français. Les mots avec mes lèvres. Et elle les répétait. C'est pour ça qu'elle a ce phrasé très délicat quand elle chante. Le temps... Ainsi... Nous sommes septembre. C'était un moment d'émotion inoubliable. Dans tant de souffrances, ça fait partie de nos récompenses à nous, les auteurs, quelquefois. Alors, Marie Reynaud, on peut la retrouver au Paname Art Café. Voilà un endroit où on pourrait aller.